Allô ? Audrey, laisse-moi t'expliquer. Il m'arrive un truc épouvantable. Bon, alors comme ça t'es rodé, parce que c'est pas tout, Fletcher. Max et moi, on va vivre à Boston. Quoi ? Jerry m'a annoncé qu'il voulait m'épouser. Je l'accompagne avec Max au week-end pour visiter des maisons. Mais arrête, tu m'avais dit que c'était pas du sérieux. Oui, et ben je te jure que maintenant, ça devient vachement sérieux. Et si vous habitez à Boston, je verrai jamais Max. Bon, tu sais, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe maintenant, non ? Où est-ce que tu es ? Je rentre. Bon, quand tu seras chez toi, tu m'attends. Je viens te voir tout de suite, il faut qu'on parle. Fletcher. Bon, allez, attends-moi, j'arrive. Bonjour, madame. Tu peux t'enfuir si tu veux, mais je t'aurai. Oh, c'est quoi ton problème, Fadette ? Pardon, je suis un sale con qui respecte rien ! Ah ! Vous savez pourquoi je vous arrête? Ça dépend, il y a combien de temps que vous me suivez? Pourquoi on ne reprendrait pas tout depuis le début? Allons-y, dans l'ordre, excès de vitesse, non respect des distances, un peu rouge brûlé, une Chevrolet pratiquement emboutie, non respect d'un passage pour piéton, changement de fil en plein carrefour, changement de fil sans clignotant, en brûlant encore un feu rouge plus excès de vitesse! Ce sera tout. Non! Je ne paie jamais mes contredanses. Soyez gentil. Hé, hey, Audrey, non, attends! T'ouvrir, tu... Attendrai. Oh, mais attends-moi. Attends, d'un seul coup, je viens de comprendre. Là, je me suis dit, je suis folle, tu m'appelles et tu me dis attends-moi, tu bouges pas, j'arrive tout de suite. Et le plus dingue, c'est que moi, je t'attends comme une imbécile. J'ai une explication à toute cette histoire. J'ai loupé un rendez-vous professionnel, c'est grave. Mais t'as pris un taxi, t'es pas en... Ouais. T'as pas ta voiture? Oh, merci. Tu peux pas savoir combien ça représente pour moi. Je vais te dire, ça fait 1 629 $ et 39 cents. Je savais pas qu'il fallait racheter sa bagnole ici. Je vous pense à... Oh. Et vous avez rayé ma bagnole ! Où ça ? Là ! Ici ! Oh, la petite rayure, là ? Elle y était déjà avant. Avant ? Oh, le... Oh, le menteur ! Très bien, vous savez ce que je vais faire ? Quoi, au juste ? Rien du tout, parce que si je vous traîne devant le tribunal, je vais gaspiller 8 heures de ma vie et vous ne vous présenterez peut-être pas. Et même si j'arrive à vous faire condamner, vous ne me paierez pas. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais mettre mon mouchoir par-dessus comme un pauvre con et bien me pencher en avant là et m'en prendre plein le pot d'échappement. Je vois que monsieur connaît la maison. Il y avait longtemps que je n'étais pas aussi bien amusée, mais maintenant, excuse-moi, j'ai un cours. Tu l'épouses ?